Julie Dengueuleuf, bonjour. bonjour. Grand reporter pour France 24, vous avez couvert la nuit dernière euh, ces événements à, à Nanterre. Peut-être euh, déjà commencer par euh, nous résumer, résumer cette nuit ce que vous, vous allez en retenir aujourd'hui Écoutez, c'est une, une nuit de vive tension, euh, notamment dans le quartier du Vieux-Pont, dont serait originaire le jeune Naël, euh, qui a été euh, tué par un tir de police euh, hier, avec euh, des jeunes extrêmement en colère, envie d'en découdre avec euh, les forces de l'ordre. Lorsque nous sommes arrivés dans ce quartier du Vieux-Pont, ils étaient en train de, de dresser euh, des barricades. Plusieurs véhicules avaient été euh, incendiés. Euh, des tirs d'artifice aussi euh, avaient lieu, de feux d'artifice. Et euh, il était demandé à toute personne qui n'était pas du quartier euh, de sortir de la zone de manière assez violente. On a été euh, pris à partie par des jeunes qui ne souhaitaient pas évidemment qu'on filme ce qui était en train de se passer, et qui nous ont demandé, nous journalistes, de, de quitter le quartier. Donc on a senti euh, beaucoup, beaucoup de tension. Et puis dans un autre quartier, à, à quelques minutes de là, euh, le quartier Pablo Picasso, ils ont pris le relais, hein, tel que ça avait été demandé par les jeunes du quartier euh, du Vieux-Pont. Ils ont pris le relais et plusieurs bâtiments euh, ont été euh, détruits une école, des abribus, beaucoup de poubelles, une trentaine de véhicules, euh, une quarantaine de véhicules. Euh, donc une, une nuit de, de très vive tension. On a pu sentir vraiment cette colère cette explosion de colère de la part de, de, de ces jeunes de Nanterre. Vous avez quand même eu le temps euh, de vous entretenir avec euh, des témoins ou même des, des gens qui participaient à ces, à ces rassemblements hier soir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au juste Alors j'ai pu me rendre un peu plus tôt dans la soirée au moment où les choses étaient un peu plus calme dans certains quartiers. J'ai pu notamment m'entretenir avec des mères de famille qui étaient extrêmement tristes de la situation, extrêmement choquées par ce qu'elles avaient pu voir de cette vidéo qu'on vient de voir dans le reportage de nos collègues de France Télévisions. Une mère me disait d'habitude, je, je, je défends la police parce que je sais qu'il faut maintenir l'ordre dans nos quartiers, maintenir l'ordre républicain, mais là c'est indéfendable. Comment expliquez-vous qu'un jeune homme de 17 ans ait pu être tué à bout portant pour un soi-disant refus d'obtention je, je cite cette dame. Une autre mère qui avait un enfant de 13 ans handicapé me disait que ces jeunes subissaient un harcèlement policier, des contrôles d'identité constants. Elle me parlait du cas de son fils à 13 ans, qui, à qui la police avait demandé d'avoir une photo de sa carte d'identité sur son portable et qui finissait quand même au poste parce qu'il ne présentait pas l'original. Donc elle voyait la difficulté du dialogue entre la police et les forces de l'ordre. Et puis beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes femmes notamment avec lesquelles j'ai pu parler, euh, me disaient Imaginez si cette vidéo n'avait pas été présentée. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que ce serait la version des policiers euh, qui aurait euh, finalement été retenus Et ce jeune Naël serait mort sans que justice puisse être faite. Et ça, c'est l'une des craintes exprimées d'ailleurs hein, par la famille de la, la victime que les euh, éléments de preuve euh, soient euh, effacés. Euh, la famille euh, de Naël, plutôt sa, sa maman, qui euh, a appelé tout à l'heure à, à l'organisation d'une marche blanche demain à, à ses côtés, euh, rendez-vous est donné à, à 14 heures à Nanterre. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup euh, d'émotions hein, qui est suscité à euh, par la mort de Naël, on a vu plusieurs personnes, dans, 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 par exemple de footballeurs ou d'acteurs, qui expriment cette émotion. Donc, nul doute que cette marche blanche sera suivie. Puis, ça rappelle d'autres moments qu'on a pu connaître dans le passé, d'autres moments de vives tensions en banlieue parisienne. Ça rappelle notamment la mort de Ziad et Bouna en octobre 2005, qui étaient deux jeunes hommes qui s'étaient cachés dans un poste électrique pour échapper à un contrôle de police et qui étaient morts électrocutés. S'en étaient suivis trois semaines de violence, près de 3000 personnes interpeller un état d'urgence, ça c'était à, à, à Clichy-sous-Bois, ça rappelle aussi euh, les émeutes de 2007 de, de Villiers, euh, de Villiers-le-Bel, euh, de Moussine euh, et Laramie, qui étaient deux jeunes hommes qui avaient été percutés sur le moto par un véhicule de police. Là, trois, trois jours de violence euh, s'en étaient euh, suivis. Donc il est possible que ce qu'on a pu voir comme violence c est, c est, la nuit dernière puisse se poursuivre, puisque c'est les, les mêmes éléments, euh, à savoir la mort d'un jeune homme euh, par la police euh, qui, 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 a, qui a eu lieu hier soir. Et puis ce que m'ont dit beaucoup de gens aussi euh, hier, c'est que c'était depuis 2022 le 13e décès pour un refus d'obtempérer. Et les gens me disaient, est-ce que c'est bien normal de mourir pour un refus d'obtempérer Voilà, les chiffres qui sont, euh, semble-t-il, en nette euh, augmentation. Il y a eu une modification de la loi. Hein. Là aussi, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Merci beaucoup euh, Julie pour le, le récit euh, de cette nuit. Vous qui étiez à, à Nanterre, vous parliez de cette euh, vague euh, de réactions euh, suscitées après le, la disparition euh, brutale de, de Noël. Réactions politiques mais aussi euh, des célébrités à l'image du Kylian Mbappé. Vous allez le voir dans un tweet, la star du PSG, capitaine des Bleus, explique. Avoir mal à sa France, il dénonce une situation inacceptable. Omar Sy, l'acteur Omar Sy, auteur d'une tribune au vitriol contre les violences policières en 2021, on s'en souvient, a été l'un des premiers noms français à réclamer justice après la mort de l'adolescent. C'est le cas aussi du rappeur Medine avec cette réaction sobre sur ses réseaux sociaux derrière le hashtag « justice pour Naël ».